C'est ce qu'on appelle une apparition surprise. Il y a quelques jours, Ayem Noor prenait la pose sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Une apparition qui en a surpris plus d'un. En effet, la jeune femme, qui se bat pour la garde de son fils, est bloquée au Maroc depuis plusieurs mois. Découvrez les coulisses de cet aller-retour express. Comment a-t-elle pu alors s'envoler pour Cannes? Nos confrères de chez Public révèlent dans leur nouveau numéro, en vente dans les kiosques depuis ce vendredi 26 mai 2023, les coulisses de cet aller-retour express. Ainsi, le magazine explique que la candidate de télé-réalité révélée par Secret Story a eu une autorisation en règle pour sortir du pays pour motif professionnel. Et oui, si Ayem Noor a monté les marches du Palais des Festivals, c'est pour défendre le film Impatiente dans lequel elle fait ses premiers pas de comédienne. Sur Instagram, Quentin Delcourt, le réalisateur de ce long métrage, a confié. 48 heures. C'est le temps qui nous a été autorisé afin de pouvoir nous retrouver, enfin, et promouvoir ce film Impatiente sur les marches du plus prestigieux festival de films du monde. 48 heures, après plus de 8 mois sans se voir et tant de travail manqué, c'est évidemment trop peu, mais toujours mieux que d'être séparés encore cette fois. Ayem Noor et son ex se déchirent pour leur fils après cette parenthèse cannoise. Ayem Noor est donc retourné au Maroc auprès de son fils, qui serait resté avec ses proches pendant son aller-retour express en France. Le combat continue pour cette maman qui se bat contre son ex pour pouvoir rentrer en France avec son fils. En larmes, elle confiait récemment, sur les réseaux sociaux, « Je suis donc désormais officiellement poursuivi pour l'enlèvement de mon propre enfant duquel mon pays m'a donné la garde. Point, je ne suis plus libre de quitter le territoire marocain jusqu'au procès. » Un bras de fer qui semble être loin d'être terminé. Ayem Noor et son fils @Instagram.